grâce à vous, malgré mon absence et en cette grande fête pour le jardin insolite, il fallait bien une situation insolite. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé a permis de recentrer l'attention sur un bénévolat exemplaire et nous rendre compte du succès de toutes les valeurs que possède notre association. Casimir est là et va nous donner quelques mots s'il peut. Vas-y Casimir. Quand on dit jardin insolite, ça se résume en deux mots. Les jardins sont des symboles d'amour et de liberté, amour et liberté. Le Carla n'est pas pour moi, il n'est pas à moi, il est à vous, mais surtout aux générations qui montent, car nous sommes responsables de cet héritage. Ce serait une équipe bénévole, exemplaire, et le tout avec cette inauguration. Je ne connaissais pas ce jardin ni la chapelle. J'avais eu le plaisir de passer une demi-journée avec Casimir Ferrer et j'ai vécu un moment, comme je le disais, tout à fait insolite aujourd'hui, plein des valeurs que porte Casimir, l'humanité, l'attention aux autres. Et j'ai pu découvrir cette magnifique chapelle, ce beau jardin. Projet initié il y a une vingtaine d'années par Casimir Ferrer, l'artiste peintre de ce département, qui a souhaité de faire ce lieu un lieu de transmission des savoirs. Des savoirs qui s'adressent à la jeunesse en priorité, aux adolescents, aux adultes, et où on va trouver des ruchers, 12 chalets en bois qui seront des lieux d'exposition. Beaucoup d'émotion parce qu'on pense d'abord à Casimir, on pense à tous ceux qui ont travaillé ici pour réaliser la rénovation de l'église, ensuite la constitution des jardins, la réalisation des jardins. Voilà, beaucoup d'amitié en même temps, et puis beaucoup de simplicité aujourd'hui, et c'est tout à l'image de Casimir. Thank you.
Casimir, c'est un génie sur le plan artistique et sur le plan humain, c'est quelqu'un d'une générosité invraisemblable. Et c'est pour ça que tout le monde, beaucoup de gens l'aiment, tout le monde l'aime, j'allais dire, moi en tous les cas, et je suis très heureux d'être ici et très fier. Deux jours d'intense activité, nous pouvons dire que c'est une réussite. Une réussite sur le plan public. Beaucoup de gens sont venus. Nous avons eu beaucoup de commentaires positifs de ce qui a été réalisé ici. Et nous comptons sur vous pour continuer à pérenniser cette œuvre et ces jardins pour lesquels nous avons œuvré, nous, volontaires, depuis 2019 et que nous continuerons à faire vivre. Tout ceci n'est pas terminé. Le Carla part pour de nouvelles aventures. Et puis merde, on a réussi.